بسم الله الرحمن الرحيم. Les états du bonheur et du malheur. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, et lorsque votre Seigneur déclara, si vous me remerciez et vous accroîtrez. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui lui suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, la tradition d'Allah dans son création exige que la vie humaine oscille entre bonheur et malheur, étroitesse et largesse, joie et tristesse. Ce sont les gens de foi que sont dans tous ces états, soit reconnaissant, soit patient. Notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit, étonnant donc le statut du croyant, son statut est toujours le bien. Cela est restreint au croyant, frappé par un bonheur, et les reconnaissants, cela lui vaut le bien. Frappé par un malheur, il patiente, cela lui vaut le bien. C'est par grâce qu'Allah nous accorde les yeux à la suite de malheurs, de la facilité après la difficulté, certes il y aura une facilité après la difficulté. Lorsque l'affaire se bouche, elle s'ouvrit, jamais une seule difficulté ne vint de facilité après le malheur. C'est le bonheur. Notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit, les yeux aura lieu après le malheur. La difficulté est certainement suivie de la facilité. Contemplant les biographies du prophète, salut sur où on trouve Sion ce sens-là, notre maître Jacob, salut sur lui, père son fils le plus chéri, Joseph, salut sur lui. Quelques ans après, il perd son deuxième fils, à tel point qu'il perd la vue par tristesse et pleurs. Et ses deux yeux sont devenus blancs à force de tristesse qu'il refoulait. Pourtant, elle n'est pas pour deux d'espoir. D'après ce que raconte le noble Coran, il dit, « Ô mes fils, partez et encorez-vous de Joseph et son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les gens mécurients qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. » La victoire lui arrive après le malheur. Allah, gloire à lui, dit, puis, quand arriva le porteur de bonne annonce, il appliqua la tunique sur le visage de Jacob. Celui-ci recouvra aussitôt la vue et dit, non, vous ai-je pas dit que je sais par Allah ce que vous ne savez pas. Allah sauva son prophète Jonas, salut sur lui, des ténèbres, de la mer, de la nuit et du ventre de la baleine. La difficulté se transforma donc en facilité. Allah, gloire à lui, dit, Izanoun Jonas, quand il partit, irrité, il pensa que nous n'allions pas le brevet, puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici. Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'étais vraiment de nombre des injustes. Nous le savons de son angoisse, et c'est ainsi que nous savons les croyants. Allah gratifia l'enfant à Zacharie, malgré son âge avancé, ses os fins, ses chairs diminuées, et les cheveux blancs de sa tête.
il exauça les invocations. Alors, Zacharie pria son Seigneur et dit, « Ô mon Seigneur, donne-moi venant de toi une excellente descendance, car tu es celui qui entend bien la prière. » Alors, les anges la poularent pendant que du pouls il péria dans le sang coutière. Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya, confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chassette, un prophète et de nombre de gens de bien. Contemplant le texte sacré islamique, on réalise que Allah met pour la sortie de malheurs et épreuves des portes et des clés dont la piété, l'invocation et l'évocation d'Allah, gloire à lui, Allah dit, quiconque prie muni envers Allah, Allah lui fera inusieux et lui accordera de la subsistance de source qu'il ne croyait pas. Quiconque met confiance en Allah, Allah le suffit. Allah exécutera certainement son ordre. À toute chose, Allah met une destinée. Elle dit également, n'est-ce pas lui que répond l'angoissé quand il l'envoque et qui l'enlève le mal et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération? Y a-t-elle donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous rappeliez. En cas de malheur, le prophète visait ses invocations. Point de divinité en dehors d'Allah. Le grand, l'indulgent, point de divinité en dehors d'Allah. Le Seigneur de grand trône, point de divinité en dehors d'Allah. Seigneur des cieux et de la terre et de trône. Il disait, quiconque frappé par un souci, une angoisse, une maladie ou un malheur, et il dit, Allah est mon Seigneur, sans aucun associé, tout cela s'en dissipera. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordés aux derniers des prophètes et messagers, notre maître Mohammed, sa famille et tous ses compagnons. Comme il vaut mieux que l'homme évoque inlassablement Allah en cas de malheur et de joie, en cas de preuve et de salut, il faut éviter d'être au nombre de ceux qui le noble Coran nous met en garde. Il oublie les bienfaits d'Allah et ne reconnaissent point Allah, gloire à lui, dit. Et quand un malheur touche l'homme, il appelle son Seigneur en se tournant vers lui. Puis, quand il lui accorde de sa part un bienfait, il oublie la raison pour laquelle il faisait appel. Et elle assigne à Allah des égouts afin d'égarer les gens de son chemin. Et il dit, et quand un mal touche les gens, ils invoquent leur Seigneur en revenant à lui, retenant. Puis, s'il leur fit goûter de sa part une miséricorde, voilà qu'une partie d'entre eux donnant à leur Seigneur des associés. Et c'est dans la mer, le malheur vous frappe. Nulle part lui, Allah, vous invoquez lorsqu'il vous sauve vers la terre, vous revenez sur vous pas, l'homme est certes ingrat. Allah dit également, lorsque le malheur atteint l'homme, il n'ont évoqué couché sur le flanc assez haut du bœuf, lorsque lui dissipant le malheur, il détourne comme si jamais le malheur ne l'a frappé. Il faut donc reconnaissance au bienfait Allah en cas d'essence
passionné en cas de malheur et évoqué Allah inlassablement dans toutes les situations, le prophète dit que quiconque trouve la joie qu'Allah lui et exiguse l'invocation au moment de malheur, qu'il le voue au temps d'isolance. Abu Darda dit invoque Allah le jour de bonheur et le jour de malheur. Ô Allah, dissipe l'angoisse de tout angoissé et aide-nous de bien remercier tes bienfaits et grâces.